Ok. Vous avez suivi? Heureux. Ouais. Que dalle. Aucune ligne téléphonique. Ok, alors on est bel et bien coincé ici. Vous ne les avez pas vus? Non, toujours pas. J'espère qu'ils n'ont pas de problème. On aurait déjà dû retrouver le chauffeur du bus. Je me demande où il est. Ah. Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles? J'ai l'impression qu'elle veut que nous la suivions. Je suis d'accord. On devrait la suivre et les mêler à tout ça. Les deux petites filles... L'une est du passé, et l'une du présent. Est de notre époque. Peut-être que l'enfant que nous voyons est, disons, un reflet... Prendre des mains d'une petite fille qu'on donne les gens à mort sont joués. La madame va pas vivre longtemps. Pas entendre Daniel et Taylor. Ouais. Devait passer ouais. Ici, nous les aurions vus. Mais en tout cas, on avait raison, les gars, hein, ensemble, hein, qu'on interagit sur le passé et le présent en même temps. Prudence. Qui sait ce qui nous attend? Mais je sais pas pourquoi. Oh putain! C'est des corbeaux. Oh non, les chaînes! Ça craint. Faut la mettre en sécurité. Faut la mettre en sécurité! Oh non! Elle est solo en plus. Elle va mourir. Surtout qu'il la joue. Bah super. Non! Survie! Tu peux pas mourir! Non! Ma souris, elle est trop sensible! Elle est pas ouais, sensible! Trop... Non, t'as sauvé! Arrête! Le rond, il est bon! Elle danse encore, putain. Quoi? Elle marche normal, quoi. Wesh, oui, elle. Wesh, fais où? Elle marche normal, en fait. Pom pom pom. Oh, j'aime pas les égouts. Ouais, c'est ça, Emma, c'est ça. Oh non! Quand c'est l'autre qui joue, t'as envie de faire. On va die. À mon avis, faut qu'on doit mourir avec elle. Hein. Oui, Akuma, il y aura une VOD, t'inquiète, tu peux aller manger. Je dois aller manger. Ouais, vas-y, tu peux aller avec Akuma. Je vais tout uploader sur YouTube ce soir. La VOD sera disponible sur YouTube en entière. Les âmes réincarnées dans les versions du passé cherchent à ne plus. Il n'y a plus que toi. À ne plus. À n'en faire plus qu'une avec le présent. C'est ça, Norami, exactement. Hey! Elle s'en bat les couilles de l'autre, quoi. Elle est tombée. Mais c'est ça. On peut aller chercher. On arrive au musée. Je crois que c'est le musée là. Il y a quelque chose qui bloque la porte. Viens m'aider s'il te plaît. Comment il passe sa tête lui? Bonjour. Ça va être à moi. Je pense. C'est à toi. Cet endroit est une sorte de musée. La petite fille. Du calme. Je trouve ça bizarre. Musée de Little Hope, 28 mai, 1h30.
On ne revivra pas ce qui vient de se passer avec Angela. Vous en êtes certain? Je ferai tout pour qu'on s'en sorte tous les deux. Dès qu'on sortira, on ira rejoindre les autres. S'ils ont survécu. Que fait ce même bouquin? Ce bouquin, il dit pas quelque chose, là? C'est le même bouquin que son père. Elle pourrait avoir un lien avec Marie? Certainement. 7,99$? Pourquoi? Je n'en sais rien. Ouais, c'est celui-là, je crois. Fermé. C'est bizarre. Tous ces mannequins. Il y a un tableau? Il y a un tableau là. Yes. Ah non, ça. Wow. Acte de renoncement. Ok. Ah. On en tient même un coup? Non, il veut pas. Ok. Ok, bizarre. C'est quoi ça? Je pense que c'est au fur et à mesure qu'on voit les persos. Ils ont même pas vérifié si elle va bien. Elle est morte, mais toi gamin, t'es plus important. Ouais, c'est ça, Narami. Hein. En vrai, on est dans les égouts, ils descendent même pas. D'accord, mais je trouve ça bizarre quand même. Inspecter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh. Tu vas trop vite. Mais alors, en fait, tu veux cliquer dessus, mais. Prends ton temps. Ah, attends que ça s'affiche. Je vais aller là. Voilà. On dirait que on dirait que les gens qui sont ici morts, c'est ceux qu'on a vus sans visage. Regarde. Oh, ok, la vieille est là. Amy Lambert. Accusée d'être une fille sorcière qui a clamé son innocence. Nanana, ses lèvres bougeaient. Amy a été accusée de sorcellerie par le jeune Miller, Marie Miller. Marie Milton. Marie a déclaré, j'ai vu ses lèvres bouger pour parler, je ne sais comme pas. Comme si on y était. Qui j'ai compris qu'il s'agissait d'un démon qui m'était envoyé sous la forme d'Amy. Le révérend Carver a accepté ce témoignage comme preuve spectrale. Ah putain. Ouais. Il en fallait peu avant. J'avoue. Les visages du ouais, c'est ça, exactement, Noir Ami. Les 100 visages du procès, ceux auxquels ils ont bougé sans rien les voir. Salut, Paku. Ça va, quoi, mon petit Kaku? Mais t'inquiète pas, je pense qu'ils vont apparaître. La poupée. Ah, une poupée V2. La poupée ici présente aurait initialement apparu à une enfant dans les années 1600. 1600. Regardez ça. Je l'ai déjà vu. On l'a déjà vu dans nos rêves. Je pense que les 100 visages, tout simplement, sont des personnes du passé qui n'ont aucune incidence sur le présent. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les voir. C'est pour ça qu'on ne peut pas les distinguer. La première fois. Je pense que justement, ils n'ont pas de visage parce que c'est des personnes fictives, en fait. Que... Ils sont décédés, donc ils font un petit rappel, mais je pense pas qu'on doit jouer avec eux. Elle nous a peut-être conduit ici. Il va pas être pour goûter tout le monde. Il va montrer ce truc. Et peut-être qu'ils vont régaler tout le monde. Voilà, qu'est-ce que t'as? Salut mon petit flofle, comment tu vas, bébé? La forme. Regardons ça de plus près. Mais enfin, vous êtes dingue. Ok, il a pris la poupée. Il existe d'innombrables histoires qui parlent d'esprits qui se lient à des objets. Ouais, dans les films, au cinéma. Allez-y doucement, ok? Moi, difficile, pas d'abonnement ce mois-ci. Et c'est si pas grave, Flo. Ta présence compte déjà beaucoup pour moi. Tu t'es fou plusieurs mois avant, c'est pas grave, t'en fais pas un. Tous nos problèmes. T'inquiète pas mon petit Flo, hein. Tu resteras notre bibiche à nous. Hein. Tu resteras nous chouk à Flo. Hein. Et si ça fait l'inverse? Peut-être que si on brûle sa poupée, ça va la rendre folle de rage. C'est vrai, si on la brûle, elle va peut-être péter.
Ton chou caca flow. Voilà, exactement. Chou caca flow. Ok, on la brûle pas. On prend le choix de ne pas la brûler. Bah, on sait jamais. Oui, comme il a raison. Hein. Non, on sait jamais. Si on la brûle, elle va péter un câble, il va avoir le feu partout. À mon avis, ça va être l'enfer du cul. Du coup, on ne la brûle pas. Pour l'instant, on a tout le monde. Et on reste comme ça, examiner. Il va racheter le papier. Prêt pour transfert. Ah. La petite qui est au sol. On a vu la scène. C'est on la l'a vu ça. Tout à l'heure. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Quand elle est tombée au sol, son mari qui est là. Ouais, la petite est au sol. On a le cowboy derrière là. On a aussi avec sa grande cape. Et il y a le juge, ouais. Ouais, le juge était là aussi. Il y a notre cadre. Ouais. On dirait une sorte de musée. Ils sont dans le musée DG, ouais, exactement. Ils sont dans un musée. Ils l'ont dit au début du truc quand on est rentré. Oh bah là, y'a rien. Oh, c'est un chat, ça va. C'est un chat. Mais le chat, il est toujours là, frère, aussi. Putain. Bah, normal, c'est une ville de sorcières. Faut bien qu'il y ait des chats noirs. Y'a le chat de Salam qui est là. De Salam. Putain. Je suis pas prêt pour ce genre de jeu, moi. Attends, on va te sortir. Attends. Ah. À droite, on n'a pas vu. Derrière. Là, derrière. Non, je pouvais pas aller à droite. Tu pouvais pas aller à droite? Non. Il y avait le comptoir. Salut, Simon, comment tu vas? La poupée, elle est habillée comme les femmes du passé. Attention, ne pas condamner une innocente par le feu. Mais c'est ça, mon ami. On l'a pas fait. On l'a pas fait. J'ai peur que la poupée ne correspondent pas à la fille. Et du coup, si on lui inflige du feu, on risque de tuer quelqu'un sans visage, tu vois. Mais ils s'en battent les couilles de l'autre meuf qui est tombée dans les égouts, par contre. Ouais, par contre, ouais, pour la trouver. Ils se disent, bon, bah ça va, elle est morte, on peut la laisser partir alors. Mais là, on va retrouver la meuf de l'égout, je crois. Ou alors le couple. C'est à moi. Ah, c'est à toi. Ouais, le couple. Ok. Donc, eux, ils étaient à deux, ils voulaient faire des bébés, on a été interrompus. Et on était en train d'être suivis par un mec. Qui avait des chaînes, enfin qui avait deux piles dans son corps. Presque plus de batterie. Fin fumé, plus de batterie, pas de réseau. Ça capte pas de toute façon. Le mec il est déter, il marche direct quoi. Il a pas peur, même sans lumière il y va lui. J'ai l'impression qu'on arrive à l'égout où la fille est en train de se faire suivre. Ah ouais. Eh. Comme un bruit, je sais pas trop. On va pas être en train de sauver la fille. Eh. Eh, j'espère. Professeur. Par contre ils peuvent pas ouvrir là, c'est fermé non. Est-ce qu'on peut se tirer d'ici? Je vais bien, merci Simon, et toi tu vas bien? Le travail se passe bien? Ah, ils s'en battent les couilles aussi. Les autres. Sûrement aussi paumés que nous. Tu crois qu'ils nous cherchent? Tout le monde se bat les couilles de la meuf. De ouf. Tout le monde s'en bat les couilles, frère. Ça c'est sûr. Elle a un côté un peu sec. Tout est lié. Mais elle a bon cœur. T'en es sûr de ça? Ouais, je la connais depuis longtemps. Plus longtemps que vous tous. Elle en a vraiment bavé. Mais elle est pas si dure que ça. Ouais, admettons. Ok. Ok. Je te parie 10 balles qu'il y a personne. 10 balles ? Mais bon, c'est le premier bâtiment qu'on voit. On cherche l'entrée ? C'est ça, exactement. Il y a des bonnes et des mauvaises côtés. On va forcément perdre des gens et on va sûrement en gagner. Mais pour l'instant, on est plutôt bien. Même si on en perd, on aura fait une belle histoire. Non. Mais je l'ai été dans une autre vie. Faut pas oublier le mec qui fait du vélo. On a toujours pas trouvé le chauffeur du bus. Et on a la vieille qui est coincée avec des chaînes. On a vu un clip où elle allait se faire buter. Donc, il faut, faut faire attention. Faut retenir ça. Là, il y a quelque chose en tout cas. C'est fermé. Fermé. Il veut pas avancer parce qu'il y a un mur. Ah non, c'est bon. Ouais. Ah, il y avait un truc à la fenêtre. Ah, il y avait un truc à la fenêtre. Attends, on va revenir après. On va y aller maintenant en fait. Je crois qu'il y a un truc à la fenêtre. Oh non, qui est encore là. Je regarde pas la fenêtre, moi, frère. La caméra, t'es bien gentil, mais. Elle est chiante, la caméra, on est d'accord.
Taylor, viens voir ça. Ouais, ça va. Commence à faire chaud, mais je commence l'irrigation du coton. Du coup, ça va, je peux me rafraîchir. Ah bon ? Oh, c'est cool ça. Il fait chaud, il fait combien de degrés chez vous ? Et tu me dois 10 balles. J'avoue, chauffeur du bus. On est d'accord, Emma. Hein. Faut que je peux le bien. Chauffeur du bus, le mec qui fait du vélo, la mamie qui est en bas avec les chaînes. C'est pas faux. Peut-être qu'elle va mourir. En vrai. En vrai, sondage quoi. En vrai, sondage. Je devrais arriver à l'ouvrir. Je vais pas le faire là parce que je vais bugger le stream, mais. Est-ce que la vieille meurt ou la vieille survit à votre avis ? On pourrait se concerter pour savoir ce qui se passe devant, mais on sait déjà ce que ça va donner. Ouais. Non, non, il va encore rentrer par la fenêtre, il est chiant. Hop. 32-33. De toute manière, quand tu ne vois pas de personne mourir, elle n'est pas morte. Ah ouais, bah oui. Ouais, bah oui. Ah là, on a vu la vie mourir. On a pas joué. Suis-moi, par là. Bah ils sont dans le musée. Mais on est dans le même musée. Ces trucs ont l'air tellement vrais. Ils me font flipper. T'es là ? J'ai vu. Dans les égouts, on a encore rien vu. Ce qui se passe, qu'elle a encore vu. Ah ouais, pour l'instant, elle se fait suivre. Et elle rampe. Donc. Tu vas où comme ça ? Elle est pas morte. On l'a pas tuée, hein. Enfin, on l'a pas vu mourir en tout cas. Tu crois que c'est prudent ? Non. Il y a un truc qui est là, ouais. Je pense que c'est le mec avec les crochets. Qui va arriver, les gars ? Il y a un mannequin qui va essayer de buter. Et là maintenant, là attention, attention, ça va arriver. C'est en décalage, on le sait, ce jeu est fait pour être décalé. Attention, voilà. La scène s'est réalisée. Avec des crochets, avec les deux pics. On a vu un gars avec deux pics en fait. Qui est mort au début du jeu, qui s'est relevé. Et il me semble que ça va être là. Là, une photo, ah. Ah. Ah, oh non, notre chérie. Ok. Ça serait une sorcière, non? Non. Tu me briefes sur le but du jeu, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Simon le but du jeu, s'il vous plaît, sur le live? Je vais mettre temps, sinon. Ah, les barres de grillage. Ouais, exactement. Ah, on vient de là. Faut rentrer dedans. Non, on vient de là-bas. Ah, il vient de là-bas. Rejetez vos fausses idoles et implorez le pardon de notre Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi une télé? Taylor! Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Allez! C'était quoi? Il y avait des voix. J'ai vu mon putain de double et elle m'a regardé. Fringuée chelou et elle parlait bizarrement. Je comprends pas. Désolé de pas avoir pu t'aider, mais... Cette fille, celle qui me ressemblait, ils l'ont traînée dehors comme une criminelle. C'était... Oh merde. Cassons-nous d'ici. Ouais, ok. Ok. Un couteau. Un chlasse. Est-ce que tu peux le garder? Hop là, hop. Hop, hop. Je suis un championnat de couteau. Merde, j'ai bougé trop vite, il parle. Enfin, c'en était peut-être un. Quand les dinosaures régnaient sur Terre. Tu crois qu'on devrait le prendre? Tiens, garde-le. Pourquoi? D'après toi, Andouille, pour se défendre. Ok. Donne-lui, hein, en vrai. Non? Garde-le. Tu sais, au cas où. On va lui donner au cas où, parce que c'est elle, elle s'est vue.
Nous, lui, on l'a pas encore vu, donc en vrai, on va lui donner peut-être qu'il devra se défendre avec. Parce que là, ouais, l'histoire, vous avez vu. C'est Andrew qui a le flingue, Morelli. C'est Andrew qui a le flingue. Ouais, ouais, c'est Andrew qui a le flingue. Et là, on lui a donné le couteau, pourquoi ? Parce qu'elle s'est vue mourir. Donc il se peut que son double est en danger avant lui. Et si jamais le jeu a fait en sorte que la meuf dit vas-y, prends-le, parce qu'elle a confiance en toi, bah j'ai peur qu'on ait. Tu vois, qu'on a activé en fait quelque chose en fait. Ah d'accord. Ah, ok. La Bible. Ah, la Bible. Ah c'est le livre. La Sainte Bible. Quand on a enterré la personne. Quand on l'a enterré. Oui c'est bah c'est le révérend qui l'a qu'on a. Ouais, ouais exactement c'est le révérend. Il y a une porte là-bas. On peut pas aller. Non. Ah, et ouais, il y a une croix. Ah si. Ah, c'est... oh! On peut pas l'ouvrir. Ok. Verrouillé. Il y a une autre porte là-bas, du coup. Bah, c'est bon, ils sont sortis des autres. C'est... En fait. Ouais. On est sortis de là. Sauf qu'elle est fermée, merde. Non, je pense pas qu'on est sortis de là. On a été là-bas. Non, on est là où il y a les poupées, ouais. On, voilà, on est passé devant les trois cadavres, et après on a été à gauche. Oh, fils de pute. Pardon. Du coup là, là on l'a vu, Amy Lambert. Ok, ça on l'a déjà vu par le groupe d'avant. Alors regarde si la poupée elle est encore là. Ouais. La poupée est plus là. Alors qu'on l'a redéposée. Attends. La poupée est plus là alors qu'on l'a remise à la place. La poupée ouais. Ici présente. À 6000, enfin dans les 1600. Alors où est la poupée les gars? Si on a reposé la poupée. C'est peut-être quelqu'un qui l'a pécho hein. Alors qu'on est le deuxième groupe à passer derrière. Et je pense qu'ils l'ont remis en place et ils l'ont pas mis dans leur poche hein. Donc ça faudra revenir, c'est bizarre hein. Hey, regarde ça. C'est bizarre qu'on ait plus la poupée, j'avoue c'est bizarre. Ouais on est d'accord hein. Parce qu'on l'a pas brûlée, on l'a remis à sa place. La poupée est ici présente. Oh la poupée est pas là, ou alors c'est un bug du jeu. Mais on la voit pas. C'était ta petite fille. Aucune idée, Emma. Peut-être, hein. C'est... On va peut-être la voir, hein, en vrai. Merde, non, j'ai compris. La poupée manquante, ça doit être celle qu'avait la gamine. Tu crois? C'est trop bizarre. Trop bizarre? On nage en plein cauchemar, tu veux dire, oui. Hors de question que je reste ici une minute de plus. Je suis bien d'accord. Le panneau, ouais. C'est encore celui qu'on a vu, on connaît déjà. Mais par contre, on va quand même regarder, peut-être que ça fait l'intrigue avec la meuf. Qui a eu dit quelque chose. Ah oui, ils ont pas assisté à cette scène-là, ces deux-là. Ah oui, ils l'ont pas vu. Ah, ils ont pas vu cette scène. Et on est sorti par là. Suis-moi, c'est par ici. Donc là, on est sur la piste des autres. Hein. On va arriver derrière. Salut Rachel Gamers, comment tu vas? Et merci pour ton follow Rachel hein. J'ai vu que tu m'avais follow hier alors que tu t'es déjà follow avant, c'est bizarre. Tu t'es défollow pour refollow? Ça va sûrement être à toi, non? Peut-être qu'on va retrouver la meuf dans les goûts. Ah, oh! Ça y est. Alors, commencez-vous à y voir plus clair? Cette chose, quoi qu'elle puisse être, semble attiré par Angela, inlassablement. J'espère vraiment qu'elle va bien. Quoi, Inor, comment tu vas? Alors, faut trouver la poupée. Personne n'est mort. On a Angela qui se fait suivre par un... On retrouve le chauffeur de bus. Par une meuf avec des chaînes. On a le Black qui fait du vélo. On a le chauffeur de bus qu'on n'a toujours pas retrouvé. Et pour l'instant, tout le monde est vivant après 3 heures de jeu. Laissez-moi vous aider grâce à un modeste indice. Ça sert à rien ces indices, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? On le reprend. C'est oui, hein. Vas-y. On va le reprendre. Hein. Comment formuler cela? Ça va, Imhotep et toi? Ça va, Imhotep. Nous avons tous nos propres démons. Ils n'appartiennent strictement qu'à nous et sont souvent le fruit de nos regrets. Ah.
Je vous laisse sur ces mots empreints de sagesse d'un grand dramaturge irlandais que j'avais rencontré à Paris, il me semble. Ne portez jamais de jugement hâtif. Chaque saint a un passé et chaque pécheur. Ça lève jusqu'à quelle heure ce soir? Je pense qu'on finit le jeu là et après je cut Rachel. Ce n'est qu'une enfant. Nous en reparlerons plus tard. Je suis dans la, en live depuis 3 heures. Sa moustache c'est là. À moi. C'est à toi. Oh, putain. On dirait qu'on a de la chance. Voilà la route. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Oh, on est déjà en live depuis. On a vraiment depuis pas 18 heures, Rachel. Hein. Enfin, 17 heures. Ok, donc là. La nana qui me ressemble. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être emmenée comme ça? Feignant. C'est pas bon signe, c'est sûr. Mais il t'arrivera rien. Ok, on petit panneau. 3 heures pile. Mais pile ça, maintenant. Devant moi. Pile maintenant. Tilde Hanson. Dans cette maison vivait une jeune autrice prometteuse, Tilde Hanson, connue pour son roman gothique, Le Trésor des Entravés. C'est dans cette maison que Tilly est décédée dans des conditions mystérieuses en juin 1858. Office de tourisme, ville de Hope. Ok, c'est bizarre qu'on ne peut pas rentrer dedans. Très bien. Ok. Tiens, les deux pierres. Ah, il y a une poutre devant le... Devant le truc. Première guerre, massacre... Intercolonial, de massacre des repris des diplômes. C'est tous les noms. Isaac, Hugues, Francis, Mathieu, Jérémia, Merci, Maria, Marie, Marie-Dan, Thomas, John... Ah, c'est les esclaves morts. Ah, ok. C'est tous les esclaves, ça. Réduit bon appétit, tu manges quoi de bon, Reynard? Tu manges quoi de bon? Hommes tués. Ah non, il y a des hommes. Ah ouais. Ok, il y en a certains qui ont été en esclavage, d'autres qui ont été tués. Thomas, John, Jérémia, Mathieu, Francis, Bartel, Hugues, ok. Merde, t'as pas de touche. Ok, ok. Ok, ça pue du cul. Hein. C'est le révérend qui a mis tous ces panneaux, il pue du cul. Je sens pas trop le révérend. Je pense qu'il était un peu fêlé, ouais, le révérend. Je pense qu'il est un peu marteau le fêlé. Ouais, marteau fêlé. Marteau le révérend. Je pense qu'il est marteau le fêlé. Oh, attends, à gauche, ça me paraît grand, ouais. C'est ce que j'allais dire. Ça me paraît grand pour pas qu'il y ait pas d'indice. Non, ce qu'est-ce que là. À droite face à la maison. Et le mec, il a mis des panneaux devant ses maisons comme si la ville s'était devenue un musée en fait, énorme. Genre, c'est chelou, hein. Avis de saisie, propriétaire de la banque, entrée interdite. Regarde-le quand il marche là, regarde-le. Frère, il fait du moonwalk lui. Il fait du moonwalk. Ok, continue du coup. C'est ça, mais je pense que c'est lié au début, ce que disait le professeur, mais qui n'a jamais continué de parler des événements qui se sont déroulés dans la ville. J'en sais rien. Ah, mais sous devant moi, ce cotorep là. Hop. Oh, le... Regardez le pneu à étoile, quand il y avait au début. Des fouilles d'archéologie sont permis d'identifier ici une couche de cendres de fragments d'os. Sur ce site aurait été pendu et brûlé sur le bûcher des personnes condamnées lors de procès pour sous sorcellerie de 1692. On ignore qui a été exécuté ici. Office de tourisme de Little Hope. Par contre, regardez, on monte bien le décor à l'arbre. Regardez bien les gars. À droite, vous avez un pneu. Ah ouais. Ah peut-être qu'on peut redescendre, attends. Et il me semble
Que c'est le même pneu qu'on a vu au début? Ouais, il me semble que c'est les mêmes pneus que du début. Il y a un barrage, à mon avis, on pourra pas passer. Donc peut-être qu'il faudra rentrer dans la banque. Ah ouais, si, on peut passer à gauche. Par contre, le mec, il se barre. Hein. Je pars sur l'hypothèse de Jay. Regardez. S'il y a des étoiles dessus, c'est le pneu du début. C'est ouais, il y a des étoiles. Viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est hallucinant. Je les connais, ces marques. C'est mon ancienne balançoire. Là, regarde. Hé, hey, hé, hey, pas de panique, tout va bien. Non, ça va pas, tu comprends pas. Tu vois ces étoiles? C'est moi qui les ai peintes sur ce pneu, avec mon père. J'avais quoi, genre 10 ans? C'est le pneu à elle? T'es sûr? Sûre et certaine, c'est ma vieille balançoire. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Admettons que ce soit vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que c'est pour me faire passer un genre de message. Hé, hé, regarde-moi, allez. On va s'en sortir, ok? Ensemble. Ouais. Mais non! Tain! C'est qui ça? Ah, c'est elle! Oh, c'est elle! Oh, ils ont mis un pneu à la place de là où elle a été pendue! Listen to me! Pourquoi pas l'anglais? N'en faites pas! I see the evil in you. My duty is to cleanse our town of your sickness. There is no other way. You must hang. Vous devez la pendre. I pray, Lord, for you to take the soul of this, our sister Tabitha, who has been led astray by the devil, and do with it as you will. Eh, hey, c'est Andrew. C'est Andrew. Hop, reviens dans le présent et ils ont mis un pneu à la place. Par contre, il parle en anglais. Moi, je sais pas, il devait avoir un bug. La femme qu'on vient de voir, c'était moi. C'est mon tour. Là, elle est morte sur un pneu. Faut la sauver, faut la sauver. Il t'arrivera rien ce soir. Compte sur moi. Merci. Heureusement que t'es là. Par contre, il y a le mec. C'est à toi. Par contre, il y a le mec qu'on vient de voir avec les pics là. Faut continuer vers l'église. Les autres sont. Mais on dirait c'est peut-être Daniel, non? Parce qu'on sait pas qui est Daniel. Je vais l'avoir vite fait là-bas. Avant. Non, ok. Le bus. Il y a le chat. Qu'est-ce qu'il fait le miaou? Il y a du sang par terre, non? J'ai l'impression qu'on est suivi. On est vraiment suivi. Hé hey. Tire-toi tout de suite d'ici. Dégage de là. Dégage. Mais c'est quoi ça? C'est elle quand elle est morte. C'est elle, ça, elle du passé, je pense. C'est à toi de choisir, Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se cache. Allez. On se cache. Oh putain, merde. On a deux de courir. Oh non, non, non. Regarde pas les pieds, regarde pas les pieds.
Oh là là. Oh. C'est la nurse. Oh, mais il fallait quand même courir. Mais l'enfoiré. L'enfoiré. Oh. Et l'autre, il la laisse démerder, quoi. C'est à moi, c'est ça? Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Ça, c'est toi, là. C'est à moi? Ouais, c'est toujours toi là. Oh, c'est quand ça passe à elle que c'est à moi en fait, je pense. Ouais. Là, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Tu ratais, elle était morte. Ah, ouais. Son orteil! Ah. C'est encore à toi, c'est à moi, c'est à moi. C'est à toi, c'est à toi. C'est à moi. Mais frère, putain! Ah, c'est chaud! Ça va être à toi! Ça va être à toi! Ça va être à toi! Attention, ça va très très vite! Ouf. Putain, c'est chaud! Ah, c'est chaud de ouf! Putain! Ça va. On dirait. Non. J'aurais pu dire la harpie. Sinon, coucou, coucou, à Diablesse. Comment tu vas, bébé? Des pieds. Des pieds. Non. On dirait que. On a l'impression que tous les esprits vont se rencontrer au même endroit à la fin du jeu en même temps. Je crois. Mais lui, il les voit pas ou pas? Sauve-le. Mais oui, faut le sauver, t'as 4 balles. Hein. Il t'en reste 3. Attention, il te reste 3 balles, retiens. Entrez vite. Où est Angela? C'est comme dans les 3 tranches temporelles que l'on voit qu'il meurt pareil, elle est morte pendue par son écharpe dans la maison. Non, oui. Nous devons empêcher cette chose d'entrer ou nous la rejoindrons. Merde. Cherchez d'autres entrées. Donc ça veut dire qu'en dernier va peut-être se faire embrocher vu qu'il est tombé sur des pics. Ouais. Aide-moi à barricader cette porte. Ça doit jouer, hein. Hey. On l'a laissé en fait lui. Que fabrique ce vieil imbécile encore dehors? J'ai l'impression qu'il nous suit. Quoi qu'il puisse vouloir, nous devons nous méfier. Je sais que vous êtes là. Si tu n'avais pas paniqué et essayé de le descendre, je me pose vraiment la question. Il serait peut-être déjà loin. Quoi? Qu'est-ce qui a tout déclenché? Le danger qui nous menace. Sûrement la fille. Mais il y a les intrigues. Le chauffeur du bus, l'homme en noir, enfin lui. Vous avez osé me tirer dessus. Arrêtez de vous planquer. Il est juste derrière lui. Il y a la suite qui vient derrière. Mais est-ce qu'il tue son propre double ou est-ce qu'il tue la personne black, tu vois? Ouais. Hé, hey, monsieur, il faut y aller maintenant. Vous devez surtout partir. Que lui, il ne voit pas le monstre. Ouais, c'est ça. Il les voit pas, en fait. Le danger, c'est vous. Vous allez le regretter si vous ne partez pas tout de suite. Sortez de là et venez me parler en face, espèce de lâche. Écoutez, vous devez partir avant qu'il ne vous arrive un truc vraiment grave. C'est une menace? Vous êtes qu'un lâche, oui. Un pauvre petit minable. Bon,
Bravo. Ouais, il le voit pas. Il le voit pas, donc... Je crois que c'était bien malin de me cacher que tu avais cette arme. Je vois pas vraiment où est le problème. On est tous en vie, que je sache. Cette fois, peut-être. Mais va savoir. Tu pourrais finir par tirer sur l'un d'entre nous. Professeur ? Andrew ! Ça y est. À moi. Il s'est vu. Il s'est vu. Le prêtre, révérend... Quoi qu'il soit, lancez des accusations sur mon double. Du genre sérieux. Encore un procès ? Pas cette fois. Mais ça en prenait la direction. Et la petite ? Marie ? Ouais. Je l'ai vue aussi. Elle avait toujours dans ses égouts avec Pennywise. À l'abri. Elle avec ça tranquille. Désolé, professeur, j'ai pas... Pendant ce temps-là, la petite vieille est dans les égouts. Elle est en train de ramper et l'autre est derrière une grille, quoi. Ce truc est encore là. Là, regardez. La fille est toujours là, hein. Nous devons la suivre. Qui qu'elle soit, elle est impliquée dans tout ce qui s'est passé ici. Ça change quoi, hein? Si nous l'arrêtons, nous éviterons peut-être d'autres problèmes à nos sosies. Ok. Gardez la porte au cas où ce truc revienne. Ça pue les maisons en bois comme ça. Cette église. Petite, tu es là ? C'est lui. Je suis peiné de vous dire ces mots, mais ce châtiment sert notre intérêt à tous et sauve notre ville. Épargnez-le, je vous en prie. Tu as peur, mon enfant. Mais un jour, tu comprendras et tu m'en sauras gré. Ne reste pas là, Marie. Il ne t'entendra pas. Mon sort n'est pas un joug que tu dois porter. Qui s'occupera de moi sans toi ? Le juge Wyman. Ah, mais peut-être en fait on veut s'occuper de la gamine parce qu'elle est seule, non ? En fait, la gamine, je suis sûr, elle y est pour rien. C'est le révérend, je suis sûr que c'est le révérend, c'est un gros connard. C'est les piques en dessous. Comme au début. Non, comment il flotte ? Il doit se dire comment il flotte ? C'est ça, ouais. Vois qui tu voulais que j'épargne. Comprends qu'il n'est plus de ce monde. C'est à cause de l'action de l'autre qu'il fait passer pour un démon, en fait. Ouais. Regarde le couteau qu'il a ramassé. Ouh, il est mort de la même manière qu'au début. Et c'est lui qu'on a vu se relever tout à l'heure quand on arrive dans la ville. Avec les pics dans les jambes. Ouais. Je suis sûr que la gamine y est pour rien au final. Ça sent pas bon le vrai révérend, même penser que Jay. Ah, de ouf, hein. Tu l'as dit en même temps, non? Ah, ça pue du cul. Je suis sûr la fille est pour rien, on lui fait croire que c'est elle en fait. Et on est en train de nous faire croire qu'on devrait l'accuser elle. Alors qu'en fait, non. Ah, c'est à moi. Je pense, hein. Putain, mon cerveau il fume là. Il était là. Trop de pensées là, simultanément. Il était juste là. Et j'ai rien pu faire. 2h09, toujours la même journée. Hein. Toujours.
Ça doit être ignoble de voir sa mort. Je suis désolée de vivre ça. Ça va être bizarre, Emma, de voir comment tu vas mourir, t'imagines ? Ces procès de sorcières, ils sont tarés ou quoi ? Tu ris comme ça, mais le révérend qui met des panneaux partout en mode c'est à moi et qui utilise une gosse pour accuser des gens et se débarrasse des gens. Peut-être pour ça qu'apparaît la vie, qui en débarrasse des gens de la fiance de la vie. Je pense que c'est ça, leur ami. Ou alors je pense. Attention, ça va loin. On meurt. C'est très réconfortant. Alors, je pense que le jeu nous fait croire que c'est la fille pour qu'on pense que c'est le révérend. Alors qu'au final, peut-être que ce serait la fille et non le révérend. Ah, elle est là. Mais c'est la nurse. Mais la ville serait morte, ouais, je pense. En général, les esprits se réveillent à 3 heures. Arrête, mon relis, j'ai peur. J'ai vu une orbe. Oh, j'ai vu des orbes. Premier indice, j'ai vu une orbe. T'as le thermomètre. J'ai le thermomètre. T'as le thermomètre? Ah, on dirait Jean Reno comme ça. Je l'entends. Il est dehors pour le moment. Mais s'il décide de venir nous chercher. À l'intérieur de l'église, on est peut-être en sécurité. Pourquoi? Parce que c'est un lieu sacré. Tu vois, une église, ça peut l'arrêter. Sérieux? Tu crois que c'est un vampire ou quoi? C'est aussi un bâtiment solide. C'est vrai. On est en sécurité, on reste ici. Ce truc me poursuit encore une fois. C'est moi qu'il veut. Vous avez toujours pas compris. Ce truc dehors, c'est un putain de monstre. Faut qu'on fiche le camp d'ici. Pas vrai? C'est vrai, il faut qu'on se tire. Si on reste là, ce truc va nous bouffer. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble. On veut pas finir comme Angela. Ok. Allons-y. Mais ça marche, Lucal. Ça marche, Lucal. Bisous. Avec plaisir. Merci pour l'heure que c'est gentil. Bisous. Merde, ouais, exactement, Lucal. Bah, tu y auras plein. Dans Quid, enfin, il y aura plein de voitures. Une raison de plus pour se tirer. Allez! Peut-être qu'ils sont partis. Salut Alexia, comment tu vas? On y va. On dirait un claqueur. Bon jeu, Jay. Merci, Lucas, c'est entier. Merci. Comment on y va, Alexia? Tu vas bien? C'est Little Hop. Ouais, carrément. On avait fait le premier et là, il est sorti. Oh putain, elle est sortie et on a envie de le faire. Tiens, toi. Ça, moi. Et là, c'est moi le vieux. Donc. Ouais. Mmh. Oh! C'est l'image du début. Oh non. Faut que je le sauve. Donc tu dois. Ah, je le sauve! Allez, c'est mon double, tant pis. Faut pas le laisser mourir, le vieux, tant pis. Même si je dois mourir, j'aurais été jusqu'au bout. Punch him! Pif! Tap! Non! Oh, mais la souris bloque de ouf! Oh non, faut pas que je meure! Non! Allez, le vieux! Allez, le vieux, c'est toi, Val! C'est toi! Ah non, c'est bon! Bien joué ça! Attention. Perte empathie activée. Et l'empreinte aussi. Où tu es? Ça va et toi? Je vais bien, Nixia, merci beaucoup. Réponds-nous. C'est à toi, hein? C'est à toi. Non, c'est à moi. Non, c'est à toi, c'est ton perso. Il faut faire quelque chose. Calme-toi un peu. On doit réfléchir. Mais merde, il faut aider Taylor. Il faut les aider. C'est à moi. Non, c'est à toi. Moi. C'est à toi. C'est à toi, Valoche. Daniel,
Ah là, ça va trop solo là. Taylor. Est-ce que c'est toi? Je vois que. Ah, elle est à droite ou à la gauche, sans déconner. Bon, on m'a dit toujours qu'il faut aller à droite. Toujours à la droite. Je suis là. Et après à gauche. Taylor. Oh, bien joué. Il a frappé le bras et son coude rouge, j'ai mal vu. Je sais pas, non, Rami, je serais pas te dire. Ça se voit que c'est pas les créateurs de Ultidan. Ouais, carrément, on y sert. Bah, Maid of Maiden, c'est le premier. Et Little Hope, c'est le second. La meuf a quasi la même voix que Sam dans Ultidan. T'es toujours coach de vie, hein. Je suis toujours coach de vie. Moi, je sauve les gens. Hein. Et Moustache, c'est toujours un opiniâtre. Je suis un coach de vie, les gars, vous voyez. Si vous voulez, je fais des cours, voilà. Je fais des cours. Je suis coach de vie. Voilà sa moustache maintenant, vous jouez. Je dois m'arrêter. Faut pas qu'on traîne. Allez, dernier chapitre, je pense. Il en peut plus. Sérieux? C'est nous. Ça va les chevilles. Pas toi. Oh putain, j'avais pas vu mes chevilles, elles sont énormes. Merci de m'avoir rappelé. Je l'ai déjà dit. On reste ensemble. Jane n'est que amour, n'est qu'amour. Mais oui, exactement, non, ami. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Kanda, la dynastie. Je suis pas sûr. On reste ensemble. On est solidaires depuis le début. On sauve tous nos potes. C'est ce qu'il faut faire, les gars. C'est comme ça, notre vision. On devrait se poser un peu. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie en tout, je dirais d'abord que ce sont des gens, des rencontres qui m'ont permis... Je ne suis qu'amour, je chante la vie, je danse la vie. Voilà. Dessiné à côté d'un stream 24h et d'un stream sur les top meilleure vie. Oh, Lucia, c'est entier. Mais je voudrais bien, je suis mort. Vous avez une idée pour nous tirer d'ici? Ça va le scribe? Solidaire, personne ne s'inquiète de la vieille. J'avoue, la vieille est toujours là. Écoute. La vieille, ça fait 25 minutes, elle se balade. Sûre. Personne ne viendra nous aider, on est seul. Ça m'en a tout l'air. Notre seule chance. Le noir, il nous cache quelque chose. Le bus, on sait pas où il est. Trouver Marie. La fille, on pense que c'est pas elle la méchante. Et la petite vieille, elle est dans les égouts, tranquille. Elle est partie voir les tortues ninja. Tu crois qu'ils mangent encore des pizzas ou pas? On est en 2021, ils ont fini les tortues ninja. De nous mener quelque part. Où? On va tomber sur Shredder. Être un endroit où on roule ensemble, on meurt ensemble. Bad boys pour la vie, mais pas pour tout le monde bordel. RIP, madame. Exactement. Qu'on ne peut rien faire. La vieille va carrer tout le monde, je pense. En vrai, la vieille est en train d'être pote avec la meuf en bas. Et à deux, ils sont en train de créer un petit truc de business, les gars. On peut l'arrêter. C'est même pas sûr qu'elle existe. Ou alors, ils font l'amour, peut-être. Dans les deux. On ne peut rien faire maintenant. Trop tard. Ah non, la vieille. C'est mort. On doit essayer. Mais c'est Will Putter, le gars. Ouais, c'est lui. Il faut le faire pour nous. Exactement. Dans la famille Miller. Celui qui se fait piquer par une couille. Marie. Par une couille. Par une araignée. Ça ne fait aucun doute. Voilà, faut pas lâcher. Vous continuez, les gars. Ce n'est pas si simple. Comme vous le dites, c'est qu'une enfant. On peut pas... Écoute-moi bien. Si on la revoit... Par contre, ils ont tous dans la salle. Hein. C'est pas possible. Hein. Elle arrive. Ah ouais. C'est quoi? Chut. Oh non, ce machin est revenu pour m'achever. Le flingue. C'est à toi. Hein. Ok. Ok. Il nous reste 3 balles. Pour une vue dégagée. Attends, on tire. Je vois pas. Rien. Attends. Oh non, il a tiré. J'ai pas tiré. C'est le jeu qui a tiré. Tiré tout seul. Je l'ai eu. C'est le jeu qui a tiré. Il est mort. Il nous reste 2 balles maintenant. Non. Eh, j'ai pas tiré hein. Oh merde. Oh non. Je vous demande pardon. Mais
possible. Mais c'est pas possible. En même temps, s'il serait parti dans les égouts la chercher. Mais c'est pas possible en fait. On l'a même pas contrôlé pour qu'elle sorte. La boulette. Val, il a buté la vieille. J'ai pas tiré. T'as buté la vieille, c'était ton choix, merde. Ah, j'ai dit attends que ce soit prêt pour tirer. Et j'ai pas tiré. Mon ville régime, story Splinter est une vieille dame. Doucement, John. Pourquoi va la tirer? Je sais pas quoi, pourquoi il a tiré. Hein? Mais j'ai pas tiré. Mais t'as tiré, Val, t'as tiré. Mais sinon, il y aurait la petite cible. J'ai cru que ce truc allait nous buter. Quel connard, mais j'ai un flingue. Plus de mal à personne. Je n'aurais jamais dû te laisser gérer ça. Coucou Berry. Et elle revient. Mais c'est elle en fait qu'il fallait buter. C'est Val le meurtrier. Val, elle est partie avec. Elle est partie avec son coup. Non, c'est bizarre en vrai parce que le jeu a dit. Le jeu a dit quand on la voit, on tire. Alors qu'en fait, on l'avait pas vu. Le jeu a tiré à notre place. Il a tiré à notre place, le truc. En fait. Le jeu a tiré à notre place en fait. Moi j'aurais pas tiré en vrai. Bah si on l'aurait vu on l'aurait pas tiré. Ou alors peut-être qu'il fallait pas tirer. Je sais pas en vrai putain. En fait non, et si on devait tirer il nous aurait proposé la cible. Bah ouais, ils ont proposé une cible. Mais j'ai rien eu. Moi je dis faut battre moustache. Pauvre mamie. Mais ouais. On va le tuer les vieux. Et là c'est la fin, on va tous mourir hein. Là on va tous se gourer. Bon bah, un mort. Un. Ouais, un mort. Professeur ? Le jeu dure longtemps. 4h30, 5h. Ça fait 3h30 qu'on est dessus. Il doit rester une heure et demie. Ou une heure. C'est à toi, hein. Non ! Bah j'ai cliqué, hein. Va aller tuer tout le monde, les gars. Mais non ! Concentre-toi, bébiche. Ouais, ça pue. Mais j'ai cliqué. Mais ça va, il est pas mort. Oui. Est-ce que fuir n'aggrave pas les choses au final? On va voir tous les morts. Bah avec Val, on voit tous les morts. 36-15. Mais hein non. Lequel? What the fuck? Est-ce que fuir n'aggrave pas les choses au final? J'ai l'impression. Lâche pas. Va les gars, le bourrin comme d'habitude. Il tarasse toi, c'est qui dit ça? Désolé. Bravo Val, quoi coup. Faut qu'elle sauve l'autre. Oh, t'as bien fait de sauver, putain. T'as bien fait de sauver à droite. Parce qu'elle était déjà étranglée, elle allait mourir, l'autre était pas encore frappée. C'est un miracle. Te réjouis pas trop. Pas de recommander. Toujours coincé dans ce trou paumé. Et ces sales mutants sont encore là. Faut pas qu'on traîne ici. En fait, il est bloqué dans l'arbre. Il est bloqué dans l'arbre, lui. GG. Mieux vaut triompher de soi-même que gagner un millier de batailles. Ensuite, la victoire est à vous. Elle ne pourra vous être arrachée ni par les anges, ni par les démons. On va peut-être demander le ban alors. Ou l'enfer. Mais pauvre mamie. Seriez-vous. Ouais, mais vous avez vu, l'intrigue était bizarre en fait. Parce que c'est vrai que. On l'a pas vu en fait. Il y a la poupée. Kaka QJ. C'est pas le créateur de Vidan. Ouais, tout à fait, Berry. Et de Maid of Maiden, le premier. Les événements, ainsi que les gens, ne sont pas toujours ce que l'on pense de prime abord. Que des rois. Trois exécutions. Trois victimes tourmentées. Et pour l'heure,
une seule âme perdue. Angela. Mais il semblerait que vous soyez votre pire ennemi. Je vous avais pourtant bien dit de vous méfier de cette arme. En gros, il ne fallait pas dégainer l'arme. Une petite idée de il ne fallait pas prendre l'arme, en fait, je pense. Caché dans la brume. Peut-être. Il y a comme un air de foire des ténèbres. Ok, on a encore 4 heures du matin. Et il est 4 heures du matin. Il faut trouver la petite. Nous devons l'arrêter. Cette petite peste. Je pense aussi qu'il ne faut pas les prendre. Mais comment le savoir au début? Mais on ne sait pas. C'est pour ça que le jeu est fait pour pouvoir le faire plusieurs fois en fait. Parce que si tout le monde sauverait tout le monde en première game, bon bah il y a plus d'envie de le refaire une seconde fois, tu vois. Truc ne m'attraquait qu'après la mort. Là du coup on sait qu'il faut pas prendre le pistolet. Refaire. Voilà, exactement. On va le refaire encore et encore. Il n'y a rien ici qui soit. Je pense qu'il ne fallait pas tirer lors de la scène de l'église. Ça a dû reprogrammer le shoot puisque tu as montré que tu avais la gâchette facile. Ah peut-être, non ami. Quand on a tiré sur le mec, qu'on a dit qu'on avait la gâchette facile. Avant qu'on voyait pas la chose. Et c'est vrai que là on a fait le même truc exactement, non ami. Fais attention au chat aussi, mais le chat est tout le temps là gros, tout le temps. Il est toujours là le chat. Tout le temps le chat est là. Je sais pas ce qu'il fait. Je me demande combien de faits il y a. Je pense qu'il y en a 5 minimum. Enfin, je crois qu'il y a 5 fins possibles. Des lucioles. Des orphans automatiques. Oula. Le révérend. C'est le prêtre. Non, c'est lui. Non, c'est impossible. Je ne crois pas mes yeux. Navré de vous importuner à cette heure tardive. Mais je dois vous parler. Qu'y a-t-il, mon ami ? Cela concerne Marie. Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès. Ces événements nous troublent tous. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vue sourire tandis qu'on exécutait sa sœur. Elle souriait aussi tout à l'heure. Elle souriait. Mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. Mais ne pas tirer autant qu'il y a un bon impact, telle est la question. Éloignez-vous d'elle, Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Trop tard. Son frère et sa sœur morts. J'ai vraiment l'impression de voir l'acteur du labyrinthe. Ouais, bah c'est lui. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa sœur mourir. Je vous en supplie. Je ne sais pas, j'hésite. Marie semble éprouver des remords. Taisez vos inquiétudes et toute la communauté en pâtira. Nul n'est à l'abri de ces folles allégations. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence ? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre. Que me voulez-vous donc ? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie, j'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. Je comprends que vous hésitiez, mais il faut que vous parliez. Dites à tout le monde ce qu'elle a fait. Comme vous l'a dit votre ami. Le diable vous envoie pour me tenter. Mais what? Je ne succomberai pas. C'est bordel maintenant en fait. Ce n'est plus la ville que j'ai connue. En plus, il parle normalement, mec. Hein. Tranquille. Le mec. T'es flippé quoi. Ah, je suis un démon, non, truqué. Je suis en ah, bah ok, vas-y. On tape une bière, discute. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon ami, j'ai du mal à accepter l'idée que ce faisant, je condamne une enfant. Faut pas dénoncer la fille, je pense. Je sais pas en vrai, je sais pas. Choisis, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, voilà. Alors vous devez protéger. T'as déjà buté quelqu'un, continue. Dénoncer. Ah, il faut. Hein. Les accusations. Les fais ce que tu veux. T'as déjà tué la vieille, maintenant si tu veux tuer la fille. Tu la fille. Le diable. Le diable, vous avez été. C'est le prêtre. Je pense aussi que c'est le prêtre Kwaku. Mais va, il a buté la fille. Parfois, ne rien dire est mieux que parler. Ouais, mais là, on est obligé de choisir.
Le prêtre, bordel. J'aurais dit le prêtre aussi. Ça suffit à arrêter cette j'aurais dit le prêtre. À nous sauver. Je sais pas. Mais après, elle sourit. Elle souriait. Elle sourit à chaque fois. Non, en haut, il y avait rien dire. Ah, j'ai pas vu, tu l'as vu, Val? Vous avez pu parler à Marie? Non. On a vu la petite nulle part. Merde. Mon stack. Allez, Tracer, à toi de parler. Le sosie d'Andrew. Il a dit qu'il témoignerait contre Marie. Que c'était une gamine maléfique, pas une petite sainte. C'est certainement une bonne chose. Nous sommes témoins de bribes de ce qui s'est passé ici il y a bien des siècles. Pas vraiment. J'ai récupéré mon point de chaîne. Je sais pas si je vais supporter ça. Je sais pas pourquoi aussi les gens récupèrent mon point de chaîne. Il y a juste un truc qui m'a étonné. Bon, je me sens pas exclu. Ça me fait plaisir. Ça m'arrive pas souvent. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai appris quelques trucs. Par contre, les démons, je m'en passerai. Franchement. C'est pas le moment de déconner, putain. Ouais, ok. Je sais qu'on est dans de sales draps. J'ai juste envie qu'on s'en sorte. Ça va le faire. Merci. Je me sens complètement à cran. Faut qu'on se mette en route. Oh putain! Oh. Mais non! C'est à toi, vas-y. Je clique. Allez, mets-nous vos pistes, les bouteilles. Ah non! C'est à toi. Ça moi. Comment j'ai flippé sa mère! Non! Ah non! Je l'ai raté! Non, meurs pas, bibiche! Non! Taylor! Où tu es? C'est une blague, j'ai raté. Bravo, une marche. Mais c'est une blague! Vas-y, c'est à toi. Je suis les bruits. Mais ça semble que c'est les bruits du mauvais, putain! Et là, il s'est buté par l'autre. Oh, non. C'est à moi. C'est à toi, vas-y. Fais pas le con. C'est à toi, moi. Et quoi qu'il arrive, tu me lâches pas! Aide-moi! Je te lâcherai pas! Si, tu m'as lâché. Je t'ai pas lâché! Si, tu m'as lâché! Je t'ai pas lâché! C'est à toi, vas-y! Vas-y! Ah. Croque-lui la bite! Encore! Ouais, goubite, croque-lui la bite! Ah, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on a vu au premier quand elle est morte. Enfin, quand elle s'est vue. Bah non, c'est la prémonition qu'on a vue. Oh non. Fais pas le con, Val, fais pas le con. Alors, des babots de cœur. Ainsi le tueur, qu'on appelle esprit dans le monde du jargon, va-t-il ou non mourir? Putain, mais c'est incroyable. C'est toi en fait. Bien joué. Je le sens pas, t'as vu? Hey, il a vraiment un mental d'acier hein, malgré tous les sons du stream deck qu'on a envoyé. Et de justesse hein. Pourtant j'ai raté la marche hein. Ça a été tellement vite. Allez, bonjour. Oh, bonjour. On a été faire une petite balade. On s'est comme des cons. On a mis juste deux secondes là. Franchement, la fille, trempée de larmes, on est revenu. Fou. Alors, continue. Zabading. Après une bonne virée dans la forêt. On fait comme si de rien n'était. On a croqué des membranes. Et on est revenu. Ah, il y a un truc sur le... Inspecto. Ah, c'est un totem. Franchement, j'aurais eu une flashlight, je l'aurais flash. Hein. Au moment où elle t'a pris, mais... Ah,
Ça pue, ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette chose? J'en sais rien. C'était le bordel. Je suis pas sûr qu'elle ait encore des yeux. À la vie. J'ai eu l'impression qu'elle cherchait à m'entraîner dans les bois. J'ose pas imaginer ce qu'elle m'aurait fait là-bas. Espérons que Marie suive le temple. Entai. Vu la taille de sa langue, frère, elle t'aurait fait un de ces trucs. T'es pas prêt, quoi. Il doit y avoir une issue. En arrêtant la petite, en stoppant les procès. J'en sais rien. On n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver. C'est qu'une hypothèse. Ce n'est peut-être qu'une hypothèse, mais c'est tout ce que nous avons. Allez, on va voir. Ah, encore une image. Ah, la mort de qui? Non, c'est une prémonition, c'est pas forcément une mort. Ah, là c'est une mort par contre. C'est une mort d'un vieux, du... Ouais, c'est pas forcément une mort. Bah des fois, non. Tu peux aller dans la porte à gauche? Là? Ouais, non. Donc c'est pas une porte. Je vais regarder. Pardon mec, je me bloque, merci. Non, je sais pas. Non, je peux pas. À mon avis, c'est là, la mais... La porte, il y a une porte là à gauche. Je vais juste aller voir derrière, à mon avis, qu'il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose avant de... Ah, là, il y a un panneau. Là, il y a une affiche. Là, il y a une affiche. Carver avec de 666. Carver à la mairie, pour notre future prospérité, Samuel Carver, ok. À mon avis, il aime pas trop le Jean. Non. Parce que là, il y a quelque chose, là. Non. Ok. Alors, est-ce qu'on passe par en bas ou on va à l'étage? T'as pas été voir la porte aussi? Ouais, celle-là. Ouais, ce qui est à ta droite, là. Mailer Lane. Le maire salue la transaction immobilière. D'accord. Ok, donc là, on va devoir passer par l'étage. C'est moi ou elle est posée tranquille sur son murel? Genre, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les plans? C'est quoi les bails? On n'entend pas Patrick. Allez, frère, tu montes les escaliers. Cette vitesse-là, il est pas serein. Hein. Fais voir ça. Hey. Le Black. Vous ne pouvez plus fuir. Mais je veillerai à ce qu'il vous trouve. Chiant lui. C'est dangereux. Je crois pas qu'il comprenne qu'on court un grave danger. Allez, entrez. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans les yeux d'enfant. Moi, je veux pas rentrer. On a vu la petite se faire menacer par le prêtre. Il lui assure mon prof. Putain. Wow. Il lui a sûrement promis des trucs pour lui faire la connasse, ça sourit peut-être parce qu'il lui a dit que c'était pas... que c'était des méchants. Tu crois, Noramie ? De quelle manière mon témoignage sera reçu ? Le diable nous empêche parfois de discerner le vrai du faux. Rien de bon n'en sortira. Il va tout faire pour vous duper. C'est à moi qu'il reviendra d'en juger. Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duperie. Et je vous le rappelle, hier vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict ? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter. Joseph fraillait avec la même force maléfique que sa femme. La cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve.
Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, lui, je sens pas. Lui, je sens pas de ouf. Nous devons donc. Mais peut-être qu'on nous fait croire que lui, on le sent pas, alors qu'en fait, on s'en tirait, tu vois. Parole, c'est tant qu'on finit pas une fois, on sera pas. Genre. Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. Beaucoup ne l'auraient pas fait. Et pour avoir révélé au grand jour ce sabbat pernicieux, la voici calomniée. Son courage ne fait aucun doute. C'est son intention qui est à définir. Celui qui l'accuse n'est autre que l'homme à qui l'on a confié cette innocente. Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement à la cour de lui enlever. Marie. Peut-être que ce sont les deux. Peut-être, Emma. Suggérez-vous à sa Peut-être. Place, révérend. Je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité. Si la cour l'accepte. La cour doit d'abord écouter Abraham. Aucune décision ne sera prise d'ici là. Abraham! Je ne sais quel parti prendre. Ma conscience me dicte de dénoncer la petite Marie, mais j'ai le cœur lourd et ne puis m'y résoudre. Ça doit, ouais. C'est pas facile, bien sûr. Je dis pas le contraire. Marie n'est qu'une gosse. La petite est l'héritière d'un gros paquet de pognon. Ouais. Faites à la cour votre déposition. Nous vous écoutons. Dites-nous tout. Marie a parlé de mauvais esprits, de diables, de sorcières. Des choses que bon nombre estimeraient inconcevables. Je n'ai que faire de l'opinion publique. Veuillez en venir aux faits. Marie m'a avoué que les accusations qu'elle a portées étaient fausses. Elle n'a rien vu de ce qu'elle a dit. Aucune sorcellerie. Ni aucun familier, aucun diable. Tout cela n'est sorti que de son imagination puérile. Comprenez-vous la gravité de cette déclaration ? Oui, votre honneur. Très bien. Je vous remercie. Marie reste-t-elle avec moi ? Au vu de ce témoignage, l'enfant devra changer de garde. Le révérend Carver accueillera Marie sur ordre de la cour. Donc quoi qu'on fasse, quoi qu'on fait, on perdait la fille quoi. Tout ça parce qu'il a la thune le mec. Putain. Racontez-moi tout. Avez-vous revu le sosie d'Andrew ? Oui, absolument. Il a dit au juge que Marie leur avait menti. Qu'elle avait tout inventé. Et donc, ils vont la mettre en prison pour avoir menti ? C'est bon signe. Pour nous. Maintenant, on sait qu'on peut avoir une influence sur les événements. Qu'est-ce que t'en dis ? Il délire ou pas ? Oh. On l'a vu de toute façon. Ça s'est bien passé comme ça. Il faut y aller. Ne restons pas là. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Super ! Alors, tableau. Eh, hey, regarde. Regarde. Le professeur. Regarde le Black, il est là. Super longtemps. À l'arrière, ouais. Le professeur. On a le professeur. On a l'homme qui est dehors en vélo. Là, on reconnaît pas, les lumières sont tirées ici, là, on sait pas, elle, on sait pas. Elle, c'est bizarre, mais... Il est là, lui. Ah, lui, il est là. Elle, c'est peut-être la meuf, Angela. Je sais pas, ouais, peut-être. On... Alors, à moins que le prof avec qui on est, il est... responsable de plein de choses ? En mémoire de James Clark. Regardé par ses nombreux amis. Ah, c'est tout, tiens pas. On peut rentrer dedans ? C'est pas une usine ? On dirait une usine, non ? Parce que le. Ouais.
Le papa de Rami qu'on a vu au début. Qui travaille dans une usine. Ah ouais, c'est vrai. Allez vous faire foutre. On l'aurait pas retourné, on n'aurait pas eu l'indice, quoi. Lettre d'avertissement mensuelle à notre récent entretien disciplinaire, je vous ai cru sujet de vos problèmes d'acidité et de votre comportement. Vous devez accuser la réception de cette lettre signée et la renvoyer sous 7 jours. Ok. Embrasse mon cul, sympa comme lettre. Très bien. Est-ce qu'on a fini d'embrasser des culs ou... Ah. Encore un truc. Le rire. Attends. Ah, c'est la famille. C'est la famille, ça. Viens par ici. Oui. Regarde ça. C'est la famille. Qui ont brûlé. Mais ouais. Mais c'est du pur délire. Attends, c'est tous ceux qui ont brûlé. J'en ai ma claque. Marre de ces conneries. Claire, Nat et Bressy. D'abord, coucou Mickey, comment tu vas? C'était ta journée? Passer son sosie. Son anime a été réparé. On a droit à la famille la plus. Et eux aussi, ils nous ressemblent. Anime de quoi? C'est quoi ce de PC? Apparemment, on l'a lâché. Mais non. Qu'est-ce que Mathieu m'avait dit avant qu'on parte. Tu crois qu'ils sont tous morts comme les autres sosies? Je sais pas. Qui sait ce qui s'est passé? Peut-être qu'on est coincé dans le même cauchemar. Mon son là. Je l'ai enlevé, Kinoxia, je récupère le Let's Play pour mettre sur YouTube. T'as vraiment envie d'un souvenir? De cette nuit? De ce lieu? Bah ouais. Pour l'instant, je vais garder. J'ai envie d'un cadeau? Ok, on ressort. Tout ça, c'est un cauchemar. Tu on a trouvé pas mal d'indices si déjà. C'est un cauchemar, qu'est-ce que vous faites tous dedans? On pourrait tous dire la même chose. C'est vrai que c'est le cauchemar du gars qui l'a vu, hein. Je sais pas ce qu'il y a. Mm-hmm. Alors, à mon avis, on va sortir à gauche, mais on va vérifier à droite aussi. Attends. Tellement c'est tellement truqué sur la photo. Peut-être que le temps déconne. Et. Quand... Casier? Le casier, ça pue la merde. Ah, ça va. Ah, ok, Mickey, tant mieux. C'est lui? C'est le Black qui l'a accompagné. Ouais, c'est le Black qui a proposé. T'as raison, t'as raison. Il l'a quitté pour un autre mec? C'est Tanya plus Vince. Et Tanya, c'était la meuf qu'on a. Et Tanya? Ah ouais. Mais alors, la Tanya, elle sort avec lui. C'est son ex alors, non? Ah, c'est sûr, tu vois, c'était lui. Ok. Alors comment t'expliques ça, petit génie? Quel est le bruit qu'on a entendu? On est mort. C'est ce que j'ai dit à Taylor. C'est sa mère. Tu crois que Tanya c'est la mère de lui? Ma frère, c'est métisse, pas blanc. Ouais, c'est bizarre, je pense pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bruit? Juste en dessous. En dessous, à la cave. Tanya, c'est la jeune fille décédée pendue avec son écharpe. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Celle qui était en haut, dans le, au balcon. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si, si. Et puis qu'est-ce comme dans le 1? Ah, ah! Je crois que j'ai vu un truc. Il y a aussi un truc aussi par terre, ouais. Ouais. Je crois que sur les caisses on peut regarder. Ouais, 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 bien vu. Commande annulée. Elle est lourde. Andrew, ramène-toi ici et aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Andrew, Andrew. Ça, c'est force de fruits. Ou la cousine. Et je prends l'autre. Oui, ou la cousine. Ouais, ou la cousine, ouais. Bon. Et... pousse. Allez, pousse. Pousse. Oh, il a fait un trou. Oh, oh merde. Oh, il est tombé. Oh non, je suis tombé dedans. Pourquoi j'arrive toujours dans les mauvais trous? Oh non, il y a mon pote. Daniel. Il y a le démon Gorgon. Pas sûr que ça aille bien, en fait. Non, non, non. Oh, oh. Non. Non. Mais la souris, elle, on la voit pas à l'écran. Oh. C'est à toi, c'est à toi. Sauve-moi, gros. Sauve-moi, Val. Maintenant. Me rate pas. C'était à toi là. Ah ouais, mais j'ai regardé quoi coup. Putain.
Kwaku m'a tué. Bah bravo Kwaku, ça dégage. Yes. On a tué le deuxième. Oh merde. À chacun un balle au centre. À chacun un balle au centre, les gars, c'est bon. Deux morts, ça va, putain. Comme par là, c'est à la fin du jeu, là. J'avais 203. Je regarde plus le live, moi, c'est mort, quoi, coup, putain. Mais en fait, j'ai vu. J'ai vu piquer à la péricube, j'ai rigolé, et j'oublie que c'était un mode jeu. Oh non, je l'ai buté, putain. J'aurais tellement pu sauver. Cette chose a l'air d'avoir disparu, mais elle peut très bien revenir. Nous devons continuer. Tu as vu désorientation et arrogance était nécessaire pour activer la situation, quelque chose du genre. Ouais. Peut-être, ouais. Je sais pas. Allez les gars, on arrive sur la fin du live, je vous propose de voir la fin dans quelques mois. Voilà. Mais en vrai la souris c'est trop dur les gars, le temps qu'on a. Parce que la souris s'efface à l'écran ça, en fait. Je vois la manette. Ah mais tu vois pas le joystick non plus hein. Ah mais tu sais que tu dois où je joue le joystick quoi. C'est qui ça encore là? Mais c'est qui lui? Non, 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 j'ai pas envie. Non, 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 j'ai pas envie, Rouya. La voiture. Mais c'est qui lui? Mais je crois que c'est celui du prof. Fille, enfin, du mec. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, ah, bah si. Attends, bien vu. Bam. Plutôt violent. Ok. Je me demande ce qu'il a fait. Tragique incendie, maison des Clark, ça c'est nous en fait. C'est ce qu'on a vu au début. Les passants ont pu voir Anthony Clark, l'unique survivant, relâché par la police. Donc nous, celui qu'on est en train d'incarner. Le Herald a contacté Monsieur Clark, mais celui n'a pas accusé une boîte d'allumettes dans les mains d'avoir provoqué l'incendie. Quand Clark a quitté le poste de police, on a pu entendre des passants crier « Brûle en enfer ». En fait, ça fait traiter quand il est sorti de... Merde. Ça fait traiter quand il est sorti de du commissariat. Ouais. Faut voir à l'avant de la voiture. Et le mec qu'on a vu au sol, c'est quand le prof s'est fait étrangler. Je l'ai déjà vu quelque part. C'est le logo qui en a pas de qui a fait pouf. Donc, il n'est pas mort en allant dans la maison. Il y a un truc là. Donc, il est mort avant. Dans la brume, là. Puisque si il est rentré dans les flammes pour se suicider, comment les gens à l'extérieur ont pu le voir sortir avec une boîte d'allumettes? C'est bizarre, non? Ça peut être dangereux. Soyons vigilants. On est sur une fin là. Donc, du coup, on n'est pas mort en allant là. La maison. Tous à Little Hope seront en danger tant que vous serez en vie, Joseph. Vous devez mourir. Même Amy, votre épouse, n'a pu échapper à votre amour pour Satan. Non, non, il a été vu avec sa boîte d'allumettes par un révérend, puis a foncé dans la maison. De ma défunte épouse. Vous résistez encore. Je dois chasser le démon pour protéger la population. Non. Vous faites erreur. Joseph, renoncez-vous au diable et à ses enseignements. Je n'ai pas péché. Je ne suis pas un disciple du démon. Notre ville succombe à la folie. Peut-être que si on sort, on va se faire tuer, non? Parce qu'à chaque fois qu'on interagit avec ça, on meurt. Parce qu'ils disent, vous voyez, il y a un démon. Oh, je sais pas. Fais ce que tu veux.
Ah non, ça va le... Non. Moi, j'aurais confronté. J'ai peur que quand ça se soulève, ils disent, vous voyez, c'est un démon. Allez. Comme tout à l'heure, on vient de faire l'erreur, je crois. Là, le doute n'est plus permis. Putain, en fait, c'est nous qui foutons la merde dans le passé. En fait, c'est nous qui faisons la merde dans le passé. Il faut on vient de comprendre. Ayez du courage. De vous dépend l'avenir de notre ville. On entend que ça craque là. Ça craque comme un goût, un paquet de chips, goût bacon. Ça me donne faim tout ça. Attends, il meurt comme ça? Mais Val, il tue tout le monde. Désolé, je choisis Val. Désolé. Le troisième, on le fera avec quelqu'un d'autre, ok? Désolé, Val, il tue tout le monde. Nous, on vous montre un peu les morts, ok? On vous montre ce qu'il faut pas faire. Voilà. Les fois suivantes, on sauvera les 5, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a tout buté. Mais non, mais il est pas encore mort, lui. Enfin, pas encore. John, écartez-vous. Allez, là, on le sauve, les gars. C'est à toi. Je refuse de connaître le même sort que Daniel. Vous êtes malade? Il faut partir. Là, je fais rien pour l'instant. Fais rien pour l'instant. Vas-y, bibiche. Oh, une tartine! Allez, remue-toi de plus! Allez, explose la tête! Allez! Dégage! Rentre de là où tu viens! Quoi? Tu fais un coup de qui? Vas-y! Allez! Ta gueule, Kwaku! Allez, bibiche! Allez, vas-y! Tiens par moi! Vas-y, c'est à toi, continue! Bim! Bon, allez, Gollum! Allez! Qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Tu fais le malin, hein? C'est qui les patrons? Il va vite, hein? Oh, il va vite! Oh, il a eu un boost de vitesse, frère! Non! Continue, Val, continue, allez! Allez, vas-y, rate pas ton coup de pied, rate pas! Allez, tchon! Un schlass! Un 45 dans ta gueule! Encore! Vas-y, continue. Explose la tête. Te loupe pas, tu tues l'un ou l'autre. Ok, nice. Il le fait tout seul, en fait. Ok. Non, reste pas à la fenêtre. Tout de suite. Andrew, j'ai besoin de toi. Non. Allez, vas-y, spam, allez. Oh non, on peut pas mourir. Allez, Adjit loupé. Non. Ça pue du cul, là. Bon. Ça pue. Il est là. Reste pas la fenêtre, toi aussi. Reste pas la fenêtre, putain! Reste, mais qu'est-ce que... Putain! Mais casse-toi de là, putain! La mort! Il faut trouver un moyen de sortir. Putain! On est dans la maison qui a brûlé. Par contre, lui est mort par les poutres. Le mec là. Ouais. Bah, en fait, on voit qu'il se fait écraser. C'est pareil, il se fait écraser par des pierres. Ouais. 4h59. Ah, une photo. Ouais. C'est qui chose, ça? Lara Croft? Mais c'est qui chose, ça? C'est autre chose, ça? On dirait la fille qui aurait grandi, non? Je sais pas. Et si tout venait d'Andrew?
Je sais pas. Mais what, c'est quoi ça? En vrai, je crois qu'on a oublié un indice au début. La carte, on avait mal tourné. Je crois qu'on n'a pas pu la tourner mieux. On va inspecter la porte. Le pneu. Ah ouais. Le fameux pneu. Là où elle est pendue. Ouais, c'est le pneu qu'on voyait de la maison. Ah, donc tout ça explique cela. C'est pour YouTube ça, pour leur faire croire que j'ai compris. Ah, donc tout ça explique cela alors. Ah, elle est là. Elle va se remettre à ça. Oh, c'est elle revient la chercher. En fait, il te reste plus un seul de tes personnages à toi en fait. Non. Il te manque la vieille. Bah dans la maison, sans les allumettes, pas de feu. Et c'est lui qui en est arrivé et qui a survécu. Ou alors cela n'a rien à voir, je sais pas Emma. En fait là t'es en train de t'embrouiller le cerveau et du coup tu nous embrouilles le cerveau Emma, t'es contente? En fait, est-ce que c'est notre enfant? C'est peut-être pas notre enfant la fille hein. Le gars chasse un peu un sentiment normal. Putain ouais, d'accord. Mode éteint réactivé. Oh non. Ah, il y en a deux, t'as vu? Ah là, il y en a tout à gauche. James et Anne. Ah, tu vois? C'est les deux qu'on a vu. C'est au début, ça, si c'est les deux qui étaient en couple. Ouais, c'est ça. Je ne rêve pas. J'aurais épousé Angela. Il y en a dix de côté. Je fasse le tour, ouais. T'as la bonne son, le style est vraiment. Hein. Non, c'est la photo. Ah non, c'est la même photo, ouais, ouais. Tu vois, c'est un démon qui possède la petite fille. C'est ça les griffes qu'on a vu au début. C'est ce qu'on voyait au début. Avec la poupée et tout. Ouais, c'est ça. La poupée, l'enfant, la fenêtre. C'est bizarre quand même. Pourquoi on le verrait pas à l'état démonique? Tu peux la regarder, non? T'as pas réussi à tourner? Il veut pas, il veut pas la. Vas-y, fais le toit pour voir. Bah ouais. T'as mon avis, première analyse de tout à l'heure, t'as pas... on a pas réussi à tourner. Tu maintiens un clic gauche et tu fais un tout petit tour. Là, tu vas trouver de ta souris. En fait. Ah, t'as trop de sensibles peut-être. Attends. Non? Ouais, bizarre. C'est peut-être par ça qu'il fait ça. Celui au début, oui, et les griffes de tout à l'heure après l'incident. Ouais, c'est ça. Et le premier dessin que vous avez trouvé dans le parc aussi. Bah, les deux coïncident, mais pourquoi elle fait des dessins comme ça aussi? Salut Gamerfou, comment tu vas?
Mais elle est là quelque part. Ouais. Comment le jeu, il est cool, gamer, il est cool, merci. Car son ami imaginaire, peut-être. Tu crois que peut-être qu'elle aurait inventé ça? Ah, mais c'est bizarre quand même. Avec toutes nos morts. Je vais bien, merci gamer, je vais bien. Oh, il y a un étage en plus. Ah bah, elle est en haut. Ouais. Mais vu qu'on l'a vu de l'autre côté. Sans doute la petite. Ouais. Faut qu'on la trouve. Elle est ici. Qu'est-ce qui se passe? Reste là. Pour qu'elle dessine, je veux dire qu'elle pense peut-être très naïve que c'est son ami et non un démon. Et ouais, c'est un enfant. Les vinyles. Andrew, qu'est-ce qui se passe? C'est une collection de vinyles. Oh putain. Oh putain. Par contre, c'est la gamine qu'on voit là. Là, par contre, c'est l'enfant qu'on a vu. Mal, je rêve. Je vous fais le serment que notre ville sera bientôt délivrée des griffes du démon. Un démon pourrait donc plus facilement la manipuler comme dans les films par malhabitude. En vrai, Andrew est le seul qui ne craint rien. Il ne s'est pas vu mourir. Car il le fallait. Si nous voulons enfin nous débarrasser de ce mal qui a infesté Little Hope, l'heure est venue d'agir. Ouais, c'est vrai, nos amis. Andrew est le seul qui est pas mort. Il ne craint rien. Il ne s'est pas vu mourir. En dites-vous, révérend. Les preuves établies par mes investigations sont édifiantes. Mais est-ce que justement il devrait pas se donner la mort pour pouvoir invoquer et de servir le diable? Cet enfant nous a tous mystifiés avec son voile d'innocence. Cette poupée a malencontreusement condamné l'innocente Tabata. Mais c'est à Marie qu'elle appartenait et à elle seule. Elle a laissé sa propre sœur être exécutée sous ses yeux sans dire un mot. Ce n'est pas vrai. Menteur. Voilà que cette jeune furie, cette créature de Satan, a l'audace de m'accuser, moi, l'homme de Dieu, de faire le mal. C'est du délire. Ils sont complètement cinglés, ces gens-là. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à notre vie. Où est son peuple? Allez-vous m'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Si je pouvais les arrêter, je ferais. Mais... Alors qu'elle se trouve au pied du mur, c'est cette fille du démon fait à nouveau appel à l'aide. Attendez. De son maître. J'en appelle à votre indulgence. Je vous en supplie. Donnez-moi un conseil. Je dis quoi, Carver et Mauvais? Je sais pas. Il se passe des choses très étranges ici. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Nous ne pouvons nier que Little Hope souffre d'un mal. Que notre ville est en proie aux ténèbres. Aucune personne ici présente en ce jour ne doute encore que le diable est parmi nous. La mission de cette cour est d'éradiquer le mal et non de l'encourager. Nous n'avons pas de temps à perdre. T'es à côté de la plaque, Marie n'y est pour rien. Quelle décision prendre? Oh là là. Si je me trompe, la mort pèsera sur ma conscience. Le seul moyen de je pense qu'il faut détruire la poupée quand même, les gars. Cette saleté de poupée. Brûlez-la et la poupée doit être incinérée. Peut-être que tout sera fini. C'est à cause d'elle que Marie est ainsi. Elle est sous son emprise. Brûlez cette poupée. Et le démon libérera Marie. Elle retrouvera alors toute son innocence. Révérend, brûlez la poupée. Ok, les gars. On brûle une poupée. Est-ce qu'on a bien fait ou est-ce qu'on a mal fait? Ça, on va le voir tout de suite, hein. Ne sont pas à débattre. Veuillez procéder. S'il le fait pas, c'est lui. Ouais. T'auras fait ce que tu pouvais. C'est pas ta faute.
pitié pour rien du tout. Ça n'a rien fait en fait la poupée. C'est bon. Non, elle est tombée. Enfin, je sais pas. Si ça se trouve, j'ai encore aggravé les choses. De toute façon, c'est pas ici qu'on trouvera des réponses, alors on ferait mieux de partir. Tu as vu la fille? Je veux tout savoir. Un peu qu'on l'a vue. Je crois qu'elle nous posera plus de problèmes. C'est fini. Ah, je crois qu'on est à la fin, les gars. La grosse a fait un câlin au Andrew du présent, c'est ça. La gosse du passé a fait un câlin au Andrew du présent. Quoi? Non. Hein? Comme au début? Hein? J'ai pas compris, là. Pourquoi tout s'effondre? Il refait la même... il revit la même histoire? Ils se sentent impuissants à part qu'il n'y a pas de feu. Oh putain. Oh la vache. Tout le monde va mourir. En fait. Imprudence, agressivité, indignation, crainte, rejet. Putain, mais c'est tout ce qu'il a rêvé en fait. Andrew a rêvé tout ça de ses personnages fictifs, on dirait. Mmh. Ouais. Alors il est bien ou quoi? Oh non, attendez, sur la fin, Oh la langue, oh ouais, attends, là il dit 60. Ah bah, indécision, ouais. Duplicité. C'est les fantômes de son passé. Quelque chose s'est mal tourné. Bah ouais, je dirais que. Oh. Ça, on c'est pas eux vu, les ça. Morts. Bah ouais, quoi coup. Ou alors lui seul est mort. Et c'est bizarre, les gars. Là, on a aucun. Ouais. On a aucun, aucune preuve en fait. On est même pas responsable de cet acte. Que ce soit moi ou Val. Il y en a un qui ressemble au roux. Ouais, il y avait son double à lui. Sauf que, comme il est pas mort, c'est peut-être. C'est pas la fin, peut-être. Tu crois que ça s'arrête là? Je sais pas, ça fait 4h30 les gars. On est sur un jeu d'une durée entre 4h et 5h donc Et là on arrive sur la même fin que quand il a commencé le jeu. Là on va voir le conservateur. Bah, c'est bizarre, attends si ça coupe là maintenant. Il fait jour, on est le lendemain, on doit sûrement être le 29. Ou le 28. Non, le 28 toujours. On est toujours le 28, mais au matin, quoi, il fait jour. T'as pas déverrouillé les trucs pour les sauver? On a vraiment pas de résultat. Et A voir, à voir. Jay, t'es mangé déjà? Non, j'ai pas mangé. Encore. Musique de fin. Non, on est le 30. Ouais, c'est bien. Il est coupé. Mais lui, il est toujours là, regarde! Je voulais vous voir. Mais laissez-moi tranquille. Je vais jouer avec Fafa. Vas-y. J'ai tout perdu. Regardez la fin. C'est une plaisanterie. Allez voir ailleurs. Dégagez. Vous n'auriez pas dû revenir. Il veut quoi que sa tête, lui? C'est celui qui t'a l'enterrement. Ah ouais. Ce que vous avez fait. Attends, pourquoi il y a un bandeau sous les yeux? Attends. Donc c'était celui de l'enterrement. Le voilà. Cet enfoiré de tueur. Eh mais il croit que c'est le même. Mais il croit que c'est le même alors c'est que non. J'ai cru que c'est celui du présent. De ces choses. Vous avez l'air un peu perdu. En fait, le mec, c'est un peu comme dans Shutter Island. Il n'a jamais Island, eu ouais. des potes. En fait, le mec est seul depuis le début de l'aventure. Voici l'unique fin. Il est seul. Oh, c'est là, bon c'est, le jeu. C'est le mec du bus. L'oreille. C'est le chauffeur du bus qu'on cherchait depuis le début. Le trafic est dévié vers Little Hope. Et le policier qui l'a arrêté, c'est lui. Mais
Est-ce que ça va ? Et c'est pour ça qu'il revit son histoire. Non, ça va aller. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais y'a personne dans le bus en fait. Sauf qu'au début du film, le... Un petit détour ne devrait pas trop les déranger. On n'a pas vu la vision du policier. Il est tout seul depuis le début. What the fuck? Comment il nous a chamboulé le cerveau? Vous pouvez pas tous la fermer? En fait, il est ma boule. C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide. Il est juste fou en fait. Et il va dans le bar. Revoir le policier. Bonsoir. Enfin, le mec noir. Vous allez bien? Il est traumatisé en fait. Excusez-moi. Il y a personne. Le chauffeur de notre bus. Ah si, il est là. Hein? Vous l'avez vu? C'est son pote. Ouais, très marrant. Ah, il croyait que... Ah oui, d'accord. Comment vous renvoyez plusieurs personnages? On a cru que c'était lui. Merci, ça ira. J'essaie de rester lucide. Vous ne devriez pas boire maintenant. C'est trop bien. Boire, c'est tout ce qui me reste. J'ai cherché le chauffeur du bus toute la game. Si vous pouviez nous aider, faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il était dépité, le mec noir. Arrêtez de dire non. Et en fait, il comprend pas. Il est dans son monde en fait. Comme dans le film Shutter Island, c'est le même. Regardez, le pont et tout, il y a personne en fait. Et on croit qu'il est cassé, mais il est pas cassé. Il est pas cassé, le pont. On va voir toutes les scènes, l'école, le musée, quand il court, les pics, y a rien en fait, il se fait pas suivre. Y a personne, c'est son pote Black en fait. Et il dit qu'il va lui faire tirer dessus. C'est lui qui avait l'arme. C'est lui qui avait l'arme. Espèce de salopard, vous avez osé me tirer dessus. Comment le jeu nous a trollé en fait. C'est vous. Vous allez le regretter si vous ne partez pas tout de suite. Il est bloqué dans le passé. Il est traumatisé. Hey, ils approchent. Je crois pas qu'ils comprennent qu'on court un grave danger. Quand ils approchent, quand ils disent qu'ils approchent, c'est peut-être les flics qui parlaient. Ouais, c'est la police qui arrive. C'est pas les fantômes en fait, c'est la police qui vient le chercher. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils approchent. C'est pas du tout ce qu'on croyait nous en fait. Donc en gros on a tué personne en fait. On a tué personne. Personne. Mais du coup c'est énorme. Ça s'arrête là. On va voir le conservateur suite de fin. Du coup. Ah le bâtard. Putain. T'as pas soulagé cette demande. Oh le bâtard! Ah, on finit sur ça! Vous tenter de faire différemment. T'as eu quoi, Ewin? Bah, attends, t'as dû être pareil en fait! Ah, t'as dû être pareil, les biches, t'as dû te dire. Si vous ne les faites pas taire, ils vont. 4h30 de l'ailleurs. En fait, ils étaient voilà déjà morts! Ou peut-être pas. Tout dépend de ce qui vous plaît, au fond. Et enfin. Tellement bien. Vous avez fini. Tellement bien. Le chauffeur de bus. Peut-être va-t-il pouvoir tourner la page à présent. Vous pouviez peut-être le sauver de ses cauchemars. Je le referai moi hors live pour essayer de voir. Mais en vrai, je pense que là, clairement, comme il vient de le dire en rigolant sous son nom de gueule, genre, t'aurais pu trouver le chauffeur du bus. Ben, je crois que vraiment qu'on aura tous la même, possiblement la même fin. Alors pas les mêmes morts, mais je pense que la fin globale sera la même. Enfin, sera identique pour tout le monde qui joue. Peut-être. Et il y aura le 3. Pacifique, ou le désert sud Pacifique. Sud Pacifique ou le désert. Ou en d'autres lieux. Génial. Bonus débloqué. Mais nous nous reverrons. Au moins encore une fois. Trop trop bien. Petite musique là, petite musique rock, musique badass. La fameuse maison. Ça. C'est la maison qui a brûlé au début. Ouais. Ne quitte pas le truc par contre. Non, non. Je le laisse en entier. Bon, incroyable. Incroyable. On regarde en entier, toujours, le générique.
puisque il y a un préambule du troisième sûrement. Donc voilà, on le laisse. Et comme le let's play va être en entier sur YouTube, on ne quitte pas. Voilà, on ne quitte pas. Ok, on regarde en entier générique. En tout cas, et la musique d'enfer, l'ambiance géniale. La dernière vision, c'est pour le prochain jeu. Ouais, exactement, c'est ça. Avec ça, dans la mienne. Donc on va laisser jusqu'au bout. Il fait peur comme jeu. J'ai pas regardé. Non, non. Il fait pas peur. C'est, je suis des petits screamers, mais c'est, il fait pas peur. Vraiment, il fait pas peur. Si je l'ai fait, si je l'ai fait, va le faire. Et qui win la fête, t'as pas le faire. Vraiment, t'as pas le faire. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Will Poitier. Alors, selon les sursauts de Jay, non. En vrai, ça va. Je suis content d'avoir fini. J'ai peur de The Witcher. Ah. Ah, t'as déjà peur de The Witcher, lui, hein. Ah ouais. Bibiche, tu peux. Bah ouais. Si je t'accompagne, exactement, je peux pas être parfaite. On peut t'accompagner, Eki. On peut t'accompagner. Même Emma, elle peut le faire avec toi. Vraiment, c'est une belle histoire. Moi, j'avais fait le premier. Je voulais vraiment faire le deuxième. Et voilà. Et si on a un troisième, les gars, on refera pareil avec Valentin, si vous voulez, si vous avez bien aimé. Enfin, voilà. On a eu un pic à 50 grâce au Red Dead Wins. C'était vraiment cool. C'est une histoire magnifique. Elle est vraiment cool. En plus, nous, on pensait que c'était comme la une. Du coup, bah du coup, toute l'intrigue, on cherchait le on faisait faire en sorte qu'il meure pas et qu'on cherche le chauffeur, tu vois. Et le jeu nous a troll. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, épisode 1, des produits chimiques qui donnent des hallucinations. Chapitre 2, traumatisé par le passé. Je me demande ce que sera le 3. J'ai adoré. Mon ressenti est vraiment cool. Mon hommage à faire l'erreur sur The Fear, je cite, ça fait pas peur. J'avais raison, Nick Le. Il est traumatisé. Tout tournait autour d'Andrew. Andrew était le seul qui pouvait pas mourir, puisque forcément, son histoire est basée depuis son imagination. Voilà. Et en fait, au début du film, dans le bus, on sait pas s'il y a des gens. Parce que le policier, lui, le regarde dans le fond de la salle, enfin dans le fond du bus, et dit bah ok, vous pouvez faire un autre tour. Or, à la fin, on a la vision du policier qui montre qu'il y avait personne dans le bus. Donc il doit se dire dans sa tête, bah il est ma boule en fait. Donc c'est cool. Attention. Il y a aller à la fin, mais j'ose pas appuyer dessus. Moi non plus. Il y a aller à la fin, mais j'ose pas appuyer sur le bouton qui est là. J'ose pas appuyer dessus. Est-ce qu'il faut appuyer dessus ou pas? Eh Win, t'as appuyé dessus, toi? comment faire allécher les gens qui regardent, là? Ils veulent voir la fin, on est obligé de rester jusqu'au bout, là. Suspense. Ouais, suspense. Enfin, si je suis un générique qui dure 28 minutes, frère, suspense, c'est vite parti. Hein. Il y a quand même du monde hein, qui ont bossé sur le projet, toutes les traductions des langues et tout. Pff, c'est incroyable. Allez. Ouais, ça va arriver là, je pense que là... Ouloulou. Oh, spécial thanks, Anthony, Kevin. Arnuad, Laetitia. J'ai l'impression d'être au cinéma et d'être en train d'attendre une scène à la Marvel. Oh, ah ouais, à la Marvel. De ouf, hein. Coucou Margio, comment tu vas, bibiche la forme? Attention, si tu es tenté de faire le jeu, tu vas te spoil, Margio. Attention, quitte tout de suite live. Si tu veux faire Little Hop, ça va être toi, ouais. Quitte maintenant. Dans quelques secondes, on a la fin. Quitte vraiment. Hein. Si tu voulais faire le jeu d'horreur, quitte tout de suite, on va être spoil. Vraiment. Tu me manques. Mais toi aussi, tu me manques. Vraiment. Quittez ceux qui ne veulent pas avoir le poste. Hein. Quittez, hein. Vraiment. Bisous. Vas-y. Je vous aime. Bisous, Bardio. Bisous, bibiche. On se capte bientôt. Vas-y, file. Oh la vache, le nom. Giradine, Giravant, Chisaskul. Bah oui, on a commencé à 18h, Mathieu. Mais non. Alors attendez,
On va attendre la fin. Allez, à la fin, on attend. Il va y avoir le post-générique du troisième. Attention, ceux qui sont sur le live, quittez le live, ne lancez pas le live, ne mettez sur pause. Ne regardez pas ceux qui veulent ne pas être spoilés, vraiment. Bah, c'était juste un petit trailer pour le prochain, je crois. J'ai peur d'appuyer sur « Allez à la fin ». Et qu'il accélère. Avec les yeux bandés. Poupoulou, poupou. En vrai, je crois qu'Ewin, elle est partie, mais sinon, on aurait pu me dire si elle avait fait « à la fin ». Après, je pense que même on peut le revoir, le truc. Moi, j'ai peur du spoil, du spoil, du spoil. C'est fini. Ah, on va laisser, on va laisser. C'est vrai qu'on laisse. Attention. Oh. C'est le prochain. C'est dans le désert. Oh, on est dans le désert, les gars. Eh, mais c'est elle qu'on a vu sauter à la corde. Ouais. C'est elle qu'on a vu sauter à la corde, les gars. Ok, donc on incarne elle, le petit crâne à terre comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du sang partout, hein. Oh, House of Ash 2021. Maison des anges ou des... je sais pas. Oh là là. Bah tu verras ça pour l'année prochaine. Personne, non, Gata. Opiniâtre. C'est toi qui as tué.